Le Conseil de sécurité de l'ONU déclare explicitement que l'accord durera 10 ans. Le cas de l'Iran sera ensuite clôturé par le Conseil de sécurité. Si un quelconque membre des 5 puissances plus 1 déclare adopter une nouvelle décision après 10 ans, cela ira à l'encontre de l'accord de Vienne. Ils n'auront plus de crédibilité pour nous. La signature d'un accord n'est pas synonyme de changement de politique dans notre région, vers des gouvernements arrogants ou vers nos amis et alliés de la région. La nouvelle fait suite à l'annonce plus tôt dans le mois des 6 puissances mondiales de l'Union européenne et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de trouver une extension de 5 ans du mécanisme de retour en arrière permettant l'imposition de sanctions après 10 ans. Conformément à l'accord, l'Iran sera sujet à des contraintes sur le long terme sur son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU.